Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. La joie, le plaisir. Vous n'avez aucune idée de comment, qu'est-ce que je ressens souvent quand je suis devant vous. Et puis après, c'est un grand honneur à la fin. Une pensée aujourd'hui avant de commencer cette émission. Je pense à quelqu'un de très cher pour moi. Il s'appelle Maître Bosembe. Il s'est engagé en Philippe. Aujourd'hui, il est devant ses électeurs pour devenir le bâtonnier de l'Équateur. Cher papa, vous avez toutes mes chances. Je souhaite que vous puissiez l'emporter, que vous puissiez devenir le véritable bâtonnier de la province de l'Équateur. Mais si ça ne marche pas, comme vous nous avez toujours éduqués, soyez sportifs, saluez en premier lieu les vainqueurs, et si c'est vous, saluez ceux qui ont perdu, et construisons la province, je pense que c'est une bonne chose. Et je crois que ça marchera. Je crois qu'à partir des 14h, je vous appellerai Monsieur le Bâtonnier. Voilà, vous êtes quelqu'un de si important à mes yeux, donc je vous témoigne mon amour. Sans vous, je ne sais pas ce que je deviendrai. Je vous aime et je vous adore. Vous suivrez cette vidéo, dites-vous que moi, je suis fier d'être votre fils. Très fier. Même si on recommence le monde 1000 fois, je redemanderai être le même. Votre fils toujours. Maître Bosembe, coup de chapeau à vous. Mesdames et messieurs, il fallait quand même le faire. Il fallait quand même le faire pour l'encourager. C'est qu'en ce moment, son cœur bat. Poum, 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 poum. Alors, je voudrais, mesdames et messieurs, partager cette réflexion avec vous. Hier, ce qui s'est passé à Kinshasa devrait en principe nous interpeller. Seuls les inconscients ne comprendront pas. Mais ceux qui ont un esprit éveillé comprendront. Ils vont se dire certainement que j'avais raison. En fait, quand je disais déjà à l'époque, vous savez, vous vous rappelez-vous, je tweetais ce matin en disant ceci. Vous pouvez voir ça sur Internet, ça fait déjà le tour du monde. J'étais en train de dire, je vais retrouver rapidement mon tweet. Je dis ceci. Les cumuls des décisions irréfléchies soulèvent le peuple et font haïr les chefs. Même les décisions impopulaires doivent être réfléchies et planifiées. Quand on gagne dans un contexte difficile comme celui-ci, on conserve sa victoire. À un degré de souffrance, le peuple ne fait plus la différence entre ce qui est bien pour lui et les équilibres sociaux. Réfléchissons, anticipons, organisons, planifions avant de décider.
Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. J'étais en train de dire ça ce matin. Mesdames et messieurs, moi, c'est pour la première fois d'entendre cette chanson ici, à Kinshasa. Pourquoi? Pourquoi une telle chanson? Pourquoi les gens se sont soulevés de cette façon-là? On va dire les Congolais sont bêtes. On va dire les Kinois sont... Ce sont des fausses excuses. C'est de l'irresponsabilité et de refuser d'affronter les choses. Dans la cour du président, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui peuvent dire la vérité au président. Vous avez la chance d'avoir un président tolérant, un président qui vous écoute, un président qui peut aller dans le sens de ce que vous dites. Mais non, comme les hommes sont naturellement, le Congolais, je veux dire, hein, une catégorie à bateau, madame naturellement idolâtre, hein, on aime tellement idolâtrer les gens, on aime tellement glorifier les gens, que parfois nous pensons que dire la vérité, c'est un manquement de respect. Pourtant, dire la vérité, c'est plutôt une preuve de la vérité qu'on a. Pourquoi les gens chantaient « Bayembi Model Luana » et « Bayembi Yango Wapi » na Kinshasa? Je peux encore comprendre que Bayembi Yango na ba province Moussous, je peux encore comprendre Bayembi Yango na ba fief na ba opposant, je peux encore comprendre. Mais là, ce n'est pas une population instrumentalisée. Là, c'est des personnes qui sont victimes na na moment wana, na eloko wana, na situation wana, à cause d'une décision qui n'a pas été réfléchie. Je l'avais dit ici. Je l'avais dit avant, et j'ai même demandé au monsieur, au gouverneur de la ville, j'ai demandé au général, je leur ai demandé, reculez un peu, revoyez votre décision, elle n'a pas été réfléchie. Vous allez faire insulter le chef de l'État. Non, non. Bon, comme les Congolais sont à un moment donné têtus, ils disent allons-y. Mais non, qu'on y est. Vous avez vu? Au fait, moi je me dis toujours, hein, quand vous voulez prendre une décision pour le compte du peuple, prenez ne serait-ce que quelques précautions. Machiavel estime que le temps est un véritable thermomètre avant de poser certaines actions. Est-ce que le temps est favorable? Est-ce que les circonstances s'y prêtent? Est-ce que les conditions sont réunies pour avoir cette histoire? Mesdames et messieurs, vous savez, vous pouvez avoir raison. Votre démarche peut être bonne. Mais si le temps ne s'y prête pas, si vous posez cet acte-là, vous aurez des effets contraires. À un moment donné, vous allez vous-même vous étonner. Mais c'est pour le bien du peuple. Mais c'est pour le bien de tout le monde. À un degré de souffrance, hein, le peuple ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien pour lui et les équilibres sociaux. Les gens s'étonnent. Mais comment les besoins sanitaires sont moins importants, moins prioritaires que le besoin de santé, que le besoin, pardon, les besoins économiques? Justement parce que l'homme a besoin d'abord de manger. Lorsque l'homme a faim, il ne sait plus faire la différence entre ce qui est sale et ce qui est propre. Tout ce qui est important pour lui, c'est de remplir son ventre. Et ça, c'est une réaction naturelle. N'importe quel homme ferait la même chose. Regardez, tant qu'on a dans la makasi, bilo kozala na goût penza mingité. Tu ne peux pas apprécier le goût quand quand tu es très affamé. Mais c'est quand tu commences à devenir un peu plein, donc comme une goût, comme une appréciation. Parce qu'à un moment donné, tu n'es pas dans l'appréciation, tu es dans le défaut. Tu fais avec ce qu'il y a. Le choix intervient quand on a deux, trois choses. Mais quand on n'a qu'une seule chose, il n'y a pas de choix à faire. On est là, on est obligé. Cette décision... Pour des raisons simples, la ville de Kinshasa est une ville constipée, est une ville enclavée. Cette ville est fermée à l'intérieur. La ville présente des pathologies urbanistiques ou urbanologues. Il n'y a pas de route. Nous n'en avons pas. Les routes secondaires ont été totalement détruites. Les gens ont construit des maisons sur des routes. Et du coup, quand il n'y a pas de voie de sortie, on est tous bloqués, embêtés dans les embouteillages. Et vous dites aux gens qu'il y aura couvre-feu à 21h. Vous oubliez qu'il y a à Kinshasa des endroits où les gens mettent 2 heures, 3 heures pour rentrer. C'est-à-dire les gens quittent la ville généralement à 16h. Mais ils arrivent chez eux à 22h. Parce qu'il y a embouteillage, parce qu'il y a manque de transport, parce qu'il y a des demi-terrains et les gens n'ont pas de moyens. Est-ce que quand vous prenez des décisions comme ça, vous avez tous les paramètres ou vous êtes embrouillé parfois par le perdième?
Je me pose beaucoup de questions sur cette histoire. Ça veut dire qu'il y a des choses aussi simples. Je veux dire que ne mélangeons pas. La COVID est une histoire. Les mesures barrières, je vais bien. Mais quand il s'agit de la sécurité maintenant, ce n'est plus la santé, c'est à l'État, à d'autres entités. La police, les services de sécurité. J'aurais souhaité que le laboratoire Moko et Salema, nous réfléchir. En fait, dans des pays sérieux, on écoute les journalistes. On écoute, entre guillemets, les analystes. On écoute les avis de ceux-là qui parlent dans les médias. Pour ne serait-ce que savoir exactement, ils vont taper au moins une heure. Pardon, moi je vous dis des faits. Je vous dis des faits au Salemana Kinshasa. À Tikizando, on a 14, disons, on a 16h. 16h30 à Tikizando. À Bimi Liba, dans le transport. Il va taper 45 minutes pour attendre le transport. Ce qui est Moutoukeye, allez, il embarque. Soit à côté de Katia Moutoukawana. C'est tout le fléau qui commence. Les embouteillages, les arrêts par-ci, les arrêts par-là, l'état de route. Le monsieur va arriver na Ndakounaye à la limite à 21h, 22h. Maintenant, vous dites aux gens, tu as la couvre-feu à 21h. Et vous passez à la vitesse supérieure, est-ce que vous avez d'abord imaginé le place Borotiabango? Est-ce que vous avez aménagé des endroits Borotiabango? Si vous avez 15, 20, 30, 50 personnes, qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Quelle est la garantie que l'État donne ceux qui va violer Batou, quelle est la garantie que vous avez? Vous mettez les gens, la police, dans le conflit pour rien. Parce que vous dites aux gens, les policiers là-bas te disent, avant, ils vont faire un bon. Et si les gens se battent là-bas, est-ce que vous n'êtes pas en train de voir que vous créez guerre civile pour rien? Dans les circonstances où il y a ma bébé, c'est le moment où vous venez amener des choses comme ça. Et quand on essaie de vous faire dire, de vous faire comprendre que reculez, il n'y a pas de honte de faire le bien. Même en retard, faites-le. Annulez tout simplement cette histoire, réadaptez ça ailleurs. Beaucoup ça, le modèle, on a été. Les gens ne nous comprennent pas. Je veux vous dire, na Kinshasa, on perd au moins une heure minimum na transport. Au moins une heure. Et ça dépend. Quand ce sont les heures de pointe, on peut perdre deux heures. Et bientôt, ma père, na Kango, Ming, na Basi, ma maman, na Mikolo. Parce que les jeunes, mais ces femmes-là, ces mamans et ces vieux sont condamnés à attendre les conditions et qu'on a bien pour qu'ils ne vont pas mettre. Et on a combien de temps? Deux heures, trois heures. Quand tous les gaillards sont déjà partis. Dans ce pays, la galanterie, on l'a oublié. La galanterie a laissé la place aux pressions, a laissé la place aux urgences. Tout le monde regarde ses intérêts. La pauvre dame, les handicapés, les veuves et toutes ces personnes-là faibles qui ne peuvent pas monter dans la Katia. Il y a bus, la brutalité. Entre-temps, le temps passe. Ils se rendent compte qu'il est 20h, il est 20h30. Parce que nous, le bus, n'a pas goûté. Et ce sont ces femmes-là qui vont, et ces hommes-là, est-ce que vous avez imaginé à tout ça? Est-ce que vous avez pensé à les décisions irréfléchies? Les décisions irréfléchies. Et qu'il y aura toujours soulèvement. Toujours. Partout au monde. Gilets jaunes, Basilica, pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que les décisions étaient impopulaires. Parce qu'ils ont estimé que les décisions étaient irréfléchies. Et ça crée toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Mais quand ici, il y a la Révolution française, le roi il faisait que le mal. Mais ce roi avait construit des hôpitaux. Il avait construit des routes aussi. Mais à un moment donné, le peuple se disait non, ça ne sert à rien, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête cette histoire. Je suis en train de vous montrer d'abord un niveau dans le transport. Mais si au Tangubo lobby, que 21h, vous savez l'effet que ça a produit? Les gens se sont précipités pour rentrer rapidement à la maison pour éviter que Bakanga mona la police. Parce que pour le Batomusu Balobi, ma petite police 13e mois naé. Ma petite police affaire naé. Ma petite police commune. On a même vu les gens sur internet. Vous savez, les gens jouent avec les sensibilités. Hein.
tomoni na photo mon internet tamboli mo mingi police mo kasi munduki yo sala ba obina obina oh abina na ekala daba 2017 daba 2015 mais bazoksi vidéo na balobi azobina po général ka songo bina bango bakanga batu ba sala couvre-feu. Est-ce que vous imaginez bien le modèle on ne peut pas prendre ça à la légère. Voilà pourquoi dans une société sérieuse il faut qu'il y ait des analystes. Des analystes de la société. Ces gens qui analysent et qui donnent au service les résultats des analyses. Nous risquons de perdre plus en créant ça qu'en allant dans ces conditions-là. On ne peut pas analyser une situation politique, sociale dans un pays en une fois. Il faut le faire dans l'angle gnosso. Il faut partir dans tous les angles. De A à Z. Tourner en gros parce que l'État... Sa première mission, c'est d'abord de décongestionner tout ce qui est comme problème, de désamorcer toutes les bombes sociétales. C'est ça la responsabilité de l'État. Mais maintenant, ceux qui m'ont dit, ils ont 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 dit, donc, il n'était même pas dans ces histoires. Mais c'est lui qu'on va insulter. Pourquoi? Parce que Bato va réfléchir à des situations là. Va réfléchir en gros, Mabé. Ils ont très mal réfléchi sur la situation. Le couvre-feu, qui peut refuser le couvre-feu? Nanyo a d'appena honnête, sérieux, à coup de couvre-feu. Mais la modalité, les modalités, la façon de faire, la manie, manière d'en gros, et qu'en gros, Mabé. Météo et là qui déjà quoi annoncer que Mboule Kobe était à Kinshasa. Très bien fait de ce qui Mboule était n'engagé à la cam. Météo informé qu'il y a depuis le matin. Alors quand vous dites que tu reçois la couvre-feu et météo vous dit qu'à partir Mboule Kobe est allé là, mais vous devez en principe faut déjà trouver un moyen. Parce que ce qui Mboule Kobe, qu'est-ce qui se passe? Le transport les a soumis et puis Mboule à Kinshasa c'est qui lui on s'en rend compte. Bah moi, je peux affronter Mayon et Zate. Moutoutou a battu. Alors, elle a moulé Kita pour avoir un accord contre le trafic. Entre temps, le temps n'arrête pas. Le temps continue à courir. On est 21h. Et c'est à 19h, quelque chose comme ça, que nous attendons le communiqué de la police. Le communiqué de la police intervient quand? Mais le communiqué intervient quand les gens sont dans la rue. Quand les gens n'ont pas de radio, n'ont pas de temps d'écouter. Pourquoi amateurisme et modèle loin? On peut se tourner comme Kamabe. Pourquoi? Nous pouvons être des amateurs jusqu'à ce point. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit autre chose. Ben, il y a beaucoup de choses à vous dire, mes frères. 21h, vous mettez couvre-feu. Est-ce que vous avez regardé la mobilité des Congolais? Est-ce que vous avez fait un... Parce que tant que vous couvre-feu, vous avez déjà dit qu'il y a un embouteillage. Et ce qu'on a dit, embouteillage, bah on embouteillage. Bato bato rapoto, bah on s'en la bino, bato ekomino, bato bato rapoto, bah on a la coupon. Est-ce que vous imaginez tout ça? Non, tout ça c'est parce qu'on veut faire tout en même temps. Mais comment un problème dans le modèle loin? À 21h, na Kinshasa, la vie elle est encore active. Pas que les gens sont en train de travailler toujours, non, mais il y a des gens qui sont en train de rentrer chez eux. 21h, écoute, rabattre, bah, on est pas dans la bande, on a bandé 21h, on écoute, rabattre, belé, bah, on a bandé, on a bandé. Bon, maintenant, tout en temps, à Tchangou, non? Est-ce que Bobi qui est Batmoussou, va t'en de première rue, T 17e rue, pardon, de pont, pardon, entrée à Yamatetewana, là, des bonhommes, entrée à des bonhommes, Batmoussou, mettre à ma colonne, t'in à 3e saut de mouton, à pied, s'il vous plaît. Bon, Batouana, bah, koufeli, nini, le sou mounini, bango, bah, sali, pour le temps, le modèle. Ma bête est bango, donc, le sou, ça les a pas, vous avez dit au Congo, Baba Kinoa, c'est ça leur péché. Si vous avez un modèle, vous n'avez même pas pitié d'eux. Même pas pitié d'eux. Donc, vous demandez, donc, ça lui a littéralement, vous demandez quoi? Bah, qui m'a mangé alors? Non, s'il vous plaît, réfléchissons un peu. Je recommence encore. On est samedi. Cher gouverneur, cher Kasongo, général, mon général, avec tout le respect que je vous dois, vous avez fait une erreur, il y a modèle Wana. Revenez en arrière, s'il vous plaît. Anticipez les choses. Levez cette mesure-là. Il y a Bakanga Batoubala et Bakacho. Levez cette mesure-là. Parce que, imaginons un peu. Bokangi Moutou, c'est quoi? La question. Ça dit, bonjour Moutou. Alani Naboutou, hein? Bokangi couvre-feu. Bokotia Wapi. Alors, la police, toi, là, la cachot. Si vous avez la cachot, comment vous allez vérifier? Comment vous allez vérifier, bah, toi, la quota qui n'a pas crime?
couvre-feu. Bon, ça, la monde est. Mais vous ne savez pas que c'est en ce moment-là que vous occasionnez des petites évasions, des petites fuites. Parce que si les matins, on doit libérer tout le monde, comment ça va se passer? Bon, ça, la monde PV. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Naboutou, on a bateau basé à cachot. On va quand même qu'on a négé à Mabé, négé à Bahiba qui ainsi de suite. Bateau pour quand même qu'on a couvre-feu. Bon, ça va quoi puis? Bon, là, ça va quoi? Na quatre à cachot, on a bas mis bio, on a bas voleur, on a bas criminel. Comment vous allez faire? Bon, ça va quoi? Tiens, comment Libanda? Libanda, c'est que comment vous allez faire exactement? Bah, on va menoter. Bon, quand on a bas singa, bah, qui mate? Et qui porte la responsabilité et perte à bilan combattu? Bah, obligé à bateau. Comment ça va se passer? Ceux qui m'ont abongi c'est le connaît, abongi c'est téléphone, abongi c'est mbongo, bon ça n'a monde. Ah, vraiment. Les récalcitrants vont être enfermés, ils vont passer la nuit au poste, ils vont rentrer demain. Et vous, aussi facilement comme ça, et puis ça reste, et l'équipe qui a bongo, donc, alors, vous, de 2 millions de Libanda, vous avez 2 000 personnes, 3 000 personnes, et le Tokyo, dans le Tokyo, là, dans ma ligne. Je crois simplement qu'il est temps de revenir. C'est pourquoi nous disons au président de la République, Monsieur le Président, les conditions n'étaient pas bonnes pour Nayango. Regardez, chef de l'État, depuis mois de décembre, depuis mois d'octobre, quand il y a popularité, Naye est bâti. Et bâti pourquoi? Lorsque le chef de l'État appelle les concertations, le discours de 6 minutes, batoué, belé, ou bâti qui est sceptique, bah, qui n'est pas président. Bandimi, non, non, Fachi nous a montré que c'est fini. Katumbi, Bemba, tous ces gens-là, naba adepte nabango, naba fanatique nabango, naba supporter nabango, naba totu badara, naba militant nabango, bango, tout bandimi. Babi, ok, venons-en, tout ça la mangamango bien. Ok, donc quand ta popularité à Fachi et Mati Mondambo. Pendant période il y a une consultation, quand tu es comme tu sous la vitesse, moi, je m'en casse. Lorsque Abimi, l'Assemblée nationale, a lobby que c'est fini, a déclaré officiellement, dans le discours, il y a rupture. Vous avez vu comment le peuple a chanté? Tout le monde dit dans ma vidéo, challenge, tout le monde me l'aura fait. Challenge, tout le monde me l'aura fait. Il a redonné la fierté aux gens. Tout le monde a maman Zando, peuple, tout le monde a sepeli. Nzembo, Fachi, na Fachi. A une Assemblée nationale, a sali discours, et maintenant, il est makasi. Deux jours après, le même peuple chante insulter Fachi. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on gagne des victoires dans des conditions pareilles, on les conserve. Babate la Kango. Le président doit être jaloux de sa popularité. Ici, il y a un besoin. Il faut que les gens comprennent ça. Les gens vont dire non, que ça, le couvre-feu est intéressant. Non, non, personne n'a dit que le couvre-feu n'était pas intéressant. Ne mélangeons pas. Moi, j'ai dit que le couvre-feu est important. Ça répond à un besoin. Un besoin de sécurité, ça répond. Mais le problème a toujours été la procédure. Le temps. Demander à Bato Basala service à sécurité. Demander à Bato Basala, Bilobino Kwaba, Aner, Ani. Demander à Bango. Ils vont vous dire que le temps, il a toujours un allié important. Il faut toujours regarder. Est-ce que le groupe a s'allié qui est bien? Comment le peuple va voir ça? Ne mélangeons pas les décisions impopulaires. Oui, ça l'a rappelé bien pour le Wedemboka. Parce que même les décisions impopulaires sont toujours, mais alors toujours réfléchies. Kabila le père avait amené des décisions impopulaires, mais elles étaient réfléchies. Elles étaient réfléchies parce que le peuple l'avait. Le peuple Ndima qui a un balamoko. Le peuple Ndima qui a un balamoko parce que Kouta qui peuple. Et maintenant, c'est le peuple. Quand on dit aux gens, bon, mon ami, balé, n'a mis tout cas, place à Liboso, c'est pas bon. Il faut moutou moko. Je suis receveur. N'a katia moutou ka, Libanda soute. Oh, ça, la bourreauté, film. Mais cette façon de voir les choses, le peuple s'est retrouvé dedans. Moïbi, soto kangi, moïbi, toko bomaye. Soba kangi, moïbi, bo betaye. Mais tout le monde est victime d'un vol. Ah bien, le gars est avec nous. Mais maintenant, vous, quand vous dites aux gens, 21h, on vous arrête. 21h, bakangi bino, bolay na kacho. Dites-moi, le peuple gagne quoi dans tout ça? Quel est l'intérêt du peuple dans ça? Dans vos mesures, le couvre-feu est bon. Couvre-feu, pays d'Amanda et Bandi Lilote. Depuis dans mon amour, on a couvre-feu, on a 19h, on a 18h. Couvre-feu, Zaranango, il n'y a pas de problème. Mais la méthode, le mécanisme, le temps, les circonstances, les lieux. Tant que c'est prêté, tchakate, kendagate, on attend. Et quand tu es le bien dans Zandou, on a bon, Zandou, Tokangi Zandou.
Tofumulonga après demain. Parce qu'il y a des sujets, donc ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, ça va soulever les gens. Mais si vous dites aux gens, Bana Congo, tu as dit que tu as dit que tu as terrain, que tu as dit que tu as dit que tu as vraiment Zandu ya propre. Mais pendant un moment donné, beaucoup de Zandu te, tu as dit que tu as éliminé après, Yango. Bon, vous avez nous awa, vous avez nous awa, vous avez awa, en attendant que vous avez dit que vous avez dit que ce peuple-là comprend. Et ce peuple-là dit que ça, c'est pour nous qu'on est en train de le faire. Et bien, ça, il va vendre. Mais si vous ne communiquez pas assez, si vous ne dites pas convenablement au peuple, le Moussala, on est Bandaka une semaine ou deux semaines avant. Il y a un autre qui a anticipé. Bandaka déjà bien avant. Bon, on dit que là, comment ça va se passer? Ah, tu as transport, tu as commis 2000 francs. Bah, bus, moussous. Et commis 2000 francs. Ma ligne, c'est commis 2000 francs. Alors dites-moi un peu. Ma tuna Congo, tellement que pas si ezali, Moutazo préféré à Tamola une bonne partie dans ma colo, comme ça, bon, tika la wana mouke, à foutre ta transport pour qu'elle m'batte. Le Congolais vont accuser des maladies dans 50 ans, ne vous en faites pas. Ba tu a tchangou, batamola wana de kuna tukote. Dans 50 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura des maladies. Ils auront des problèmes de dos, ils auront des problèmes sérieux. Ces gens-là, vous m'avez dit que vous avez 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 longue distance vous avez dit que 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 vous Non, mes frères, tout le cas pas si. Mesdames et messieurs, lorsque les lois ne sont pas réfléchies, c'est de l'arbitraire. Lorsque les lois ne sont pas communiquées, c'est de l'oppression. Il faudrait éviter de faire de tout un peuple des prisonniers à la fin. Parce que Bato Binobozo Kangawan, Nazo général Kasongo, mon général, moi je vous apprécie beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais acceptez au moins que cette fois-ci, ce n'est pas bien réfléchi. Mon général, comment où vous allez placer Batutubo au Kangawana? La police a besoin d'espace d'accueil. Il a besoin d'un kit à Malungate. Il a besoin d'un kit à Mabele. Alors, tant que vous faites ça à Mabele, est-ce que le droit n'est pas droit à Bango? Il a besoin d'un statut nul à un moment où il y a un suspect, un délinquant. Vous le placez dans quel régime? 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 Mon général, vous êtes quelqu'un d'instruit. Trouvez des moyens importants. C'est vrai, vous voulez dissuader les gens. Mais les véritables dissuasions, c'est la compréhension et bateau. Vous devez comprendre que les Congolais attaquent au tout le baka. Il y a des moments où il faut fumer ça là. Mais dans le contexte, il faut que tu aies un contexte. Batou Moussou va vendre à Mikonga. À ça, il y a un Kinshasa. À ça, il y a un Gombe. À ça, il y a un Zandu. Mais vendre à Mikonga. Est-ce que vous avez vu les trajets ou non? Ah, puis le commissaire Mitouka cher. Le ministre des Transports, Alain de Langua Tate, l'autorité de tutelle, est allié à Bilokoana. Régulation Malonga Ezate. Lobby na Kinshasa Awa, moto na martyr ti Willeri, 1500 francs. Peuple Longo gagnera combien? 1500 à Tabino Moko. Parce que va profiter d'un moment, d'une occasion, va te balinguer qui m'a pas zongazonga, banda kuna bango. Mon général, Mboula et Betty. Tous en plus na décembre. Déjà na décembre, tu auras toujours réputé que bah tu vas aller bénir la ville. T'en as décembre parce que tout le monde veut acheter des choses pour la monde naïe. Tout le monde veut acheter des choses pour la famille na bango. Déjà na moment on a trouvé la sollicitation ma casse na ville. T'en as pas la politique bon décentraliser ma cambalinga ko kabisote. T'en as pas amener le marché central dans toutes les communes, sinon dans toutes les circonscriptions. Créer des cadres pour que bah tu vas aller dans la ville nyo sauter, balinga ko kabisote. Où en sommes-nous maintenant? Bon, le n'a pas de temps, il y a 21h. Il y a mabe. Au moins, mabe pourquoi? Parce qu'ils ont compté la logique à Batote. Ils ont rencontré situation de vie à Batote. Moutafani na Mikonga, Moutafani na Mboudi, Moutafani na Bokote, qui sait son akadikoula, comment il fait pour le temps, le trajet, il y a tout qui est là. Il y a tout qui est là. Il y a tout qui est bon côté. Alors ça, il y a Mboula, ce que je veux dire, c'est que je vais remplacer mon parce que je vais évidemment que je vais faire un peu de courant, je vais faire un courant, je vais dénuder, je vais faire un courant, je vais faire un courant. Place mon soubacat à courant, place mon soubacat à raté. Pour mon toit à courant, je vais faire un mot. Si on a un rendez-vous, je vais faire un courant, il faut que je vais faire un courant. Oh, il y a un courant, 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 il y a un courant
Donc, vous voyez des conditions, Isaac n'a place dans côté. Moi, je vous propose ceci. Monsieur le gouverneur, monsieur le général, Bozongi sa couvre-feu na bino wana na minuit. Minuit, hein, avantage na wazanini. Bozongi sa ngo minuit. Couvre-feu, bochango minuit. Mais bobandi bouclage, par exemple, na 17h. Ceux qui ont réellement besoin de fouiller mitou kabato. Ceux qui réellement ont besoin sécuritaire. Bocha bouclage na bino na 16h. 17h, bon, il faut boucler. Botala na mitou ka bato malem malem. Ce petit économie ma vie, économie sont à 23h minuit et les gens vont rentrer chez eux calmement. Moi, je crois que on peut trouver un autre moyen. Il y a contourner le problème sécuritaire tout ça. C'est moi je crois simplement qu'on fouiller ma voiture. Ce qui vous allez logique vous fouiller ma voiture. Na ba coin, na ba bifurcation, na ba sortie, ba grandes allées. Je crois que ma grande allée pardon. Je crois que vous allez trouver des solutions. Il y a des mécanismes que je connais et que j'ignore. Obino Boyebi, d'ailleurs, mieux que moi, comment beaucoup trouver solution pour le Kangabatouana. Ceux qui peuvent la Namibie, effectivement. Ceux qui peuvent la criminelle, tout le monde a la soupçon, on peut aller le faire. Le général Kassonga lobby que famille Mokote et que la Libomanae. Tissiko. Ma bobo, tout le monde a dit que la Libomanae, la Libomanae, la Libomanae, la Libomanae. Donc, tous ces Mabomala, pour la plupart des cas, sont véritablement des criminels. Ou des potentiels criminels. Bah, il faut les arrêter. Et continue après. Population peut aider Bino. A dénoncer Maboma, Baza autour de Mabanda Kunabiso. Ceux qui réellement Bazali Maboma, Batuma Wokeno Randa Bango. Ceux qui Baza Maboma, on va les arrêter. Et les méthodes peuvent changer, vous pouvez toujours trouver les moyens de le faire. Mais s'il vous plaît, les conditions ne s'y prêtent pas. Ramenez le couvre-feu au moins à minuit, pas à 21h. Parce qu'à 21h, ça suppose que Batouba Katamissa n'a pas 14h, tout n'a pas 15h. Parce que, nous avons le lobby, on a 15h. Il faut que je vous explique ou que je vous donne le niveau de vie des gens. Ndengeni ni Batouba Kobika na Kinshasa pour comprendre. Voilà pourquoi nous allons mettre en place une émission. Dans peu de temps, vous allez voir sur le mois de janvier. Vous allez suivre cette émission-là, vous allez aimer. Il y a maintenant les Elite Télévision. Donc, c'est pourquoi nous avons s'abonner. Émission que le canal de télévision et que la émission, on va dans la réalité à Kinshasa. Comme ça, vous avez Poto, vous avez Lubumbashi, vous avez au moins au moins. Donc, on va dans la Kinshasa, vous vivre. Lubumbashi, vous vivre. Et vous avez l'émission, vous avez une vidéo. Chacun de vous, vous avez une vidéo. Vous avez une recette, vous avez bien. Vous allez beaucoup aimer. Nous vous demandons, messieurs et dames, d'accompagner, surtout Bato Bozana président, pour accompagner le président. A outre que soit victoire, il y a mal à perdre un côté. Vous finissez ça a été. Ceux qui vont travailler, pensent pour naïe, alors vous finissez ça a été. Les gens vont dire, mais Christian, les décisions impopulaires, t'es impopulaire, ça a été. Impopulaire, ou les décisions impopulaires, t'es des décisions irréfléchies. C'est différent. C'est différent d'une décision impopulaire. Une décision impopulaire, très souvent, les décisions, ils rencontrent des déshydratés à peuple. Ouais. Mais populaire, oh, il réfléchit. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci à Bandeko Toubalanda Ibiso. Merci à Maman Petro. Merci à Bandeko Bélé, Bazali Banda. Ils ont accepté de nous aider. Continuez de l'Ibiso, moyen à Bango pour que tout le monde en Bandaka. Je serai en Bandaka à la fin de l'année. Donc, vous fêtez à Bandeko Nabiso Nyoso en Bandaka. Bandeko Nabiso Nyoso en Bangandawana. Donc, vous fêtez à Bango. Je vais passer à Injolo. Dans ok la Bikoro, dans ok de la Yannick Pessanga va combattre beaucoup en Israël Mingi va côté aux alentours wana tout au long wana tout les kawana tina la gumtumba tout comme la tomba pardon tomba tout comme parce qu'il faut tout kabola na bana wana bilo comme ça vous allez bien. Merci Mingi na bakado na bino. Merci Mingi. Numéro na biso ya MPSA ezana C. Numéro na biso ya Airtel Money ezana C. Numéro de biso ya Orange Money et Danasi. Ndeko pesa aux anango. 30 dollars, 50, 100, 200, 300. Pour sunga bana wana, ba fete pe lokwa bana na bino. Ce pays on souffre. Bo s'abonner na Elite Télévision, bo mi abonner na Congo Buzz, bo mi abonner na page na biso Facebook Christian Bosembe, bo sa la promotion ya ndeko na bino, ya eloko na bino et ça la biso un grand plaisir. Deuxième partie tour le bela. Et donc, moi, bien, bon, c'est pas la Européenne. D'accord, réfléchir. On dit samedi, tu réfléchis à moi, Mink. Tu relevais là les défis majeurs, il y a l'état de droit. Où il y a Félix Tshisekedi.
que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Quick Share, une application de communication et mobile banking. Vous pouvez chatter et faire les achats en ligne. Envoyer de l'argent d'une carte Visa à un compte Mobile Money. Quick Share, disponible sur la Play Store et Play Store. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Guinée aux hommes, ces hommes noirs, Daïmada, Chino, Tuenéné, Nakinia, Panapiko. Loye Mbolo Nene Yali Sanga.